Juriste, on est, en tout cas je suis, dans un bureau. Notre institut de recherche est composé d'équipes de recherche, de chercheuses et de chercheurs. Et donc on a la Commission européenne, qui est la grande institution au niveau européen, qui va proposer des financements, mais en échange de ces financements, il faut respecter les règles européennes. Enfin, c'est de l'argent public, et donc il faut faire attention donc de ne pas, par exemple, prendre un billet de train ou un billet d'avion en première classe. On a mis en place un groupe de travail avec tous les acteurs européens autour de la table pour essayer de faire ensemble un guide, donc un document unique qui raconterait en fait toutes les règles internes ainsi que les règles européennes pour que quelqu'un qui arrive demain chez nous puisse se dire « Ok, je sais où chercher ». Autour, on va dire, d'un projet de recherche, il n'y a pas que des chercheurs, évidemment. Il y a aussi toute une équipe. Et donc, ce qui est très intéressant, je trouve, dans mon métier, c'est vraiment d'être au contact quotidien avec cette multitude d'acteurs qui peuvent être espagnols, italiens, suédois. Il faut évidemment parler anglais et l'écrire. C'est quand on entend de d'autres directions. Non, mais n'y passez pas trop de temps. Parce que, évidemment, si on nous le demande, on va le faire. Et si on le fait, on peut bien le faire. Et ça va souvent nous prendre beaucoup de temps parce que, qu'on n'a pas toutes les réponses. Le sens de l'adaptabilité à m'adresser en fait différemment en fonction de mes interlocuteurs. Parce qu'évidemment, expliquer les règles européennes à des chercheurs ou à des partenaires qui commencent totalement, qui débutent en fait dans les projets européens, il va falloir être assez pédagogue et vraiment bien expliquer. Je pense ne pas être la seule à l'avoir faite, mais c'est de finir une conversation par un bisou, en fait, comme si c'était un ami. En fait, bah non, c'est un responsable.